Good morning, Aleïden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Mourid Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Nahuda, Sarah Batrana Rachel, Shlomo ben Esther et Risha Batrain Remia. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Misha Contexte 5 minutes éternelles, nous étudions la Sechet Horayot, Derek Bet Mishnah Gimel, En Chayavin Ella al Herlem Davar im Shigigat Hamaase, Bechen Hamashiach, Velo Bavoda Zara. En chayavin ela al elem davar im shigigat amase. En beddin chayavin ad sheyohu bedavar shizdono karet ve shigigato chatat. Lechen amashiach, le bavod azara ad sheyohu al davar shizdono karet ve shigigato chatat. Cette Mishnah continue la suite de la Mishnah Bet, la deuxième partie de la Mishnah Bet, où là-bas on comparait, ou plutôt on disait les points communs qu'il y avait entre le korban de par Elem Davar Shel Tzibur et le par Kohen Mashiach. Les points communs qu'il y a entre le sacrifice, l'expiatoire national, comme on l'a appelé, le par amener un taureau parce que tout le Ham Israël il a fait une faute, il a fauté sur la même faute à cause du Sanhedrin, et on comparait avec le Kohen Mashiach aussi, le Kohen Gadol, qui lui aussi transgresse, doit apporter un par, un taureau, parce qu'il transgresse, d'accord? Donc, on avait appris dans la Mishnah Bet qu'on parlait de Shasa Miktsat, mais Velokula, c'est-à-dire qu'il a fait un petit peu de. Il a permis un petit peu l'interdit, mais partiellement, pas en permettant tout l'interdit, mais comment partiellement? Ça, c'est ce qu'on a appris dans la Mishnah Bet. Mishnah Gimel maintenant et toutes les prochaines Mishnayot vont être sur le même principe. Nous dire sur ce point-là, c'est la même chose entre le par Elam de Machat Tzibur et le Kohen Mashiach, et aussi bien dans les Choulin, dans les transgressions classiques, que dans les transgressions de Avodah Zara, il y aura les mêmes conditions aussi requises dans les deux cas. D'accord ? On fait ça dans les mots tout de suite. On va rapporter deux cas de figure. Le premier, on le connaît déjà depuis la Mishnah Aleph de ce chapitre. En Chayavin Ela al Elam Davar im Shegigat Amase. L'on est passible de Korban par Helem Davar Shel Tzibur, d'apporter un taureau, parce que tout le peuple d'Israël a fait la même faute, uniquement s'il y a eu Helem Davar im Shegigat Amase. On a fait une erreur, Helem Lehalim, ça veut dire caché. Ouais, Nehelam Me'enav, ça a été caché de ses yeux, c'est-à-dire qu'il n'a pas vu, il s'est trompé, par inadvertance. Donc, on est passible d'apporter un par Helem Davar Shel Tzibur, que s'il y a eu un Helem Davar im Shegigat Amase. Une erreur, on a oublié une halakha, donc le Beddin, lorsqu'il a tranché ça, lorsqu'il a permis l'interdit, il s'est trompé, c'était Beshogeg, c'était Elam Davar, Im Shegegat Amase, et qu'ensuite, au moment de passer à l'acte, l'homme Israël a agi parce qu'il s'est fondé sur le Beddin, sur le Sanhedrin qui a permis cette chose-là, donc ils ont transgressé à cause de ça. D'accord ? Notion très simple qu'on connaît déjà depuis très longtemps en fait. Ouais, deux parties à chaque fois lorsqu'on apporte le Corban. La tête du Beit Din et l'action du Ham Israël qui sont en parallèle, que parce que le Beit Din s'est trompé dans l'instruction, le Ham Israël est passé à l'acte. À exclure si le Beit Din s'est trompé, mais qu'après tout, le Ham Israël est passé à l'acte, mais pas à cause du Beit Din, pour une autre raison. Ouais, mais je ne sais pas pour quelle raison, il y a eu tout le Ham Israël s'est trompé, mais pas à cause de l'erreur du Beit Din, parce que là, on ne va pas apporter le parallèle de Hashem Tzibo. Vechen HaMashiach, idem aussi pour le Kohen Mashiach. Le Kohen qui est loin par l'huile d'onction, donc le Kohen Gadol, lui aussi, il n'apporte de Khatat, lui, que s'il y a eu aussi une erreur dans la halakha, et ensuite qu'il est passé à l'acte à cause de cette erreur. À la différence que, c'est-à-dire, peut-être qu'il faut le préciser, lorsqu'un individu normal transgresse le Shabbat et qu'il doit porter un Korban, il peut soit oublier que c'est Shabbat, soit se souvenir que c'est Shabbat, mais oublier que cette action elle est interdite, par exemple. Et, ou bien soit, quelque chose de plus profond, c'est de se dire, cette action-là, Shabbat, c'est interdit d'allumer, mais ça s'appelle pas allumer, il s'est trompé dans un détail de la halakha. Et donc, c'est uniquement sur cette troisième sorte que le Kohen Gadol devra apporter le session Korban. On continue. Velo b'avod azara, en chayavin ala alem lem davarim shigigat amase. Même principe aussi pour la avod azara, lorsqu'on s'est trompé en 10 ans, sur une faute qui concerne la Avodah Zara, le Bedin s'est trompé, ou bien le Kohen Mashiach, en se disant que telle action n'était pas considérée comme une Avodah Zara. Alors qu'en réalité, il a par là fait le. Il a fait un. Il a fait.
il a transgressé, il a fait un rituel païen, il a. D'accord? Donc dans ce cas-là, il devra apporter lui aussi un korban. Elem davar, shel tzibur, ou bien le par Kohen Mashiach. Ensuite, deuxième partie de la Mishnah. En bet din chayavin, ad jeru, tout ça, bien sûr, je voulais le dire, c'est explicite dans le verset. Il y a marqué vechi yishgu, ve asu, venela mene aida. D'accord? Il y a marqué les deux notions. De Ne'elam et ensuite de Shogeg ou Bishat Masé. Ensuite, deuxième partie de la Mishnah. En Bedin Chayavin, Ad Sheyoru, Bedavar, Shezdono Karet, Veshigigato, Khatat. Le Bedin n'est passible d'apporter un par Elem Davar Shel Tzibur que si c'est Bedavar sur une chose, Shezdono Karet, que si on le faisait Bemezid consciemment, on serait passible de Karet, de retranchement, Veshigigato, Khatat. Et lorsqu'on transgresse Beshogeg, l'individuel doit apporter lui un korban khatat classique, un khatat kuvua, comme on va expliquer dans quelques secondes, il doit apporter un korban khatat, et de ce fait, lorsque cette même sorte de transgression a été réalisée, mais cette fois-ci à cause du bet din, alors là, dans ce cas-là, on devra apporter un parallèle de Vachem Tzibur. Vechem, je continue tout de suite la Mishnah, après j'explique un peu mieux. Vechem Amashiach, idem aussi pour le Kohen Gadol qui est loin avec l'unction. Vela ou Avodazara, et aussi idem aussi pour la Avodazara. On ne sera passible que si quoi Ad Sheyoru, Al Davar, Shezdono Karet, Veshigirato Khatat, que le Bet Din va trancher, que l'on a le droit de faire telle action de Avodazara, d'idolâtrie. Cette action-là est permise, imaginez, ouais, toutes sortes de situations. Ils ont dit que ça, on a le droit de le faire pour faire plaisir au goy, si toutefois ça nous arrange. Le Bedin s'est trompé. D'accord ? Donc c'est d'abord chez Al-Sdono Karet que s'il le faisait Bemezidis Rechav Karet, parce qu'il est en train de faire de la Vodazara, mais chez Gilato Khatat, et qu'il devrait apporter un Korban Khatat. Qu'est-ce qu'on vient exclure ? Alors plus précisément, vous avez le dernier Barthénora de la Mishnah, qui nous enseigne comme ça. Il explique tout d'abord qu'il y a 36 transgressions sur lesquelles on est passible de Chiyuv Karet. Tout d'abord, lorsqu'on fait Bemezid, on est passible 36 fois, 36 carrettes. Il y a ne pas transgresser le Shabbat, ne pas transgresser Yom Kippour, on aussi chav karet, à la différence des autres Yom Tovim, ne pas manger du chélev, ba alanida. Il y a comme ça 36 cas de figure. Parmi les 36, il y en a 5 qui ont un statut très original. Ils sont différents de tous, en fait, on va dire comme ça. Il y a d'abord le Brit Mila. Ouais, que tout celui qui ne fait pas le Brit Mila, il est Chayav Karet, c'est Meforen dans le Pasuk, Venichreta. Idem aussi pour le Korban Pessah. Celui qui ne fait pas le Korban Pessah, alors qu'il pouvait l'apporter, bien sûr, il y avait le Beth Amikdash, il n'a pas apporté le Korban Pessah, lui aussi Chayav Karet. Mais cette fois-ci, c'est deux mitzvot très originales, parce que cette fois-ci, c'est des mitzvot assez positives. En général, les Karet, vous les verrez toujours sur les Lota assez. Tu ne feras pas ça, et si toutefois tu le fais, eh ben, il est passible du Karet. Je crois que c'est Baal Achoto, celui qui va, qui a une relation interdite avec sa sœur. Je crois que c'est aussi Karet. Alors là-bas, il y a marqué Venir Reto. D'accord, on leur donnera le Karet, mais il y a aussi un lave, une interdiction. Tu ne feras pas. Et après, il y a le Karet. À la différence de ces deux misotes-là, qui sont le Brit Mila et le Korban Pessah, que tous les deux, ce sont des misotes assez, et que malgré tout, la Torah a dit si tu ne le fais pas, eh ben, il est passible de Korban Karet. Aussi, il y a encore quelques autres mitzvot. Tout d'abord, Megadef, celui qui blasphème. Alors, il chayav karet bemezid, mais Beshogeg ne devra pas porter lui-même un korban. Pour quelle raison? Parce que cette fois-ci, il ne fait pas d'action. Et il y a une insistance dans la Torah, ve'asa mekol, achad mekol, mizot hashem shalot, asana qui passe une action. Or, celui qui blasphème, il blasphème par la bouche et pas par l'action. C'est pas considéré comme une action, donc il n'est pas passible de korban khatat. Et encore, les deux derniers, c'est Tumat Migdash, ve'kodashav. On s'en rappelle très bien de Maseret Shvuot, bien sûr, j'en suis sûr. Vous, autant que moi, vous inquiétez pas. Que il y avait le... on parlait de quoi? On parle de celui qui est entré impur au Beth Amikdash. Que Bemezid il chayav karet. Mais Beshogeg, il devra apporter un korban, mais pas un korban classique. Un korban olé veyored. On aura l'occasion d'en reparler, vous en tâchez dans la prochaine Mishnah. J'aime bien jeter tout de suite la notion, comme ça, la prochaine fois qu'on fera la prochaine Mishnah, ça vous parlera déjà, vous verrez que... qu'on assimilera mieux de cette manière. En tout cas, le principe général, il est que, en général, chaque fois qu'on emporte un korban khatat, ce sera toujours un khatat kevua, un khatat fixe. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, tu devras apporter une kisba ou une seira, une chèvre, une brebis. Il y a, pour certaines mitzvot, en l'occurrence, celui qui rentre impur au Beth Amikdash, il a la possibilité, lui, d'apporter un korban olé veyored.
soit il la porte le haut, soit le bas, selon ses moyens. S'il est riche, il pourra porter aussi une qui se bat. Et s'il est pauvre, eh ben, la Torah lui a donné la possibilité d'apporter un tor, shnei torim, ou shnei bnei yona, d'apporter deux petits oiseaux, ça coûte beaucoup moins cher. Il y a même dans certaines situations, ici en l'occurrence, ce qui pourra même apporter aussi une mincha, même parfois on lui permettra. Ouais, donc c'est ce qu'on appelle un korban qui est bedalé dalout. On peut bedalout que la Torah a fait une réduction pour celui qui n'a pas les moyens. Alors dans un cas pareil, lorsqu'il transgresse sa faute, alors il chayav ratat, olé veyored, qui monte, qui descend, c'est-à-dire selon ses moyens, et lorsque c'est le Kohen Mashiach ou le Betedin qui transgresse, eh ben, ils ne seront pas passibles d'apporter un korban, un par élève de Varjel Tzibur. On aura l'occasion d'en parler dans la prochaine Mishnayot, mais sans tâcher, on expliquera un peu mieux la source. Et je vous souhaite une journée pleine de Sacha Koltou Vesela.